Selon rapport RNDDH, la plus passé 54 policiers mourus pour année ça en babal bandit. Récemment, là, dans Kafou, bandit coupe tête Makenson, tant coup cochon. Bonjour, bonsoir tout le monde. Réseau information SOFIA TV83. En entrée d'emblée dans détail qui gagne ouais, ça va passer en Haïti pour Koulia là. La vie moun vient picoute chaque jour. C'est le bandit gain pouvoir sous la vie. Bandit a décidé qui laisse cap vivre et qui moun qui doit mourir. Commune Kafou tombé en bas. Mes bandits, ça la cause, yo agi et puis coupé tête, yon policier, agent Idmo, qui quittait madame avec deux petites. Explication madame là qui gagne 30 de l'année triste, yon bébé nan mel, quand elle t'a raconté calamité, Maril qui couchait dans morgue, sans que yon pas joigne qui côté bandit yo aller à tête li. Plus détails sous drame ça, c'est Fifi ak courage li k'ap répondre question la presse côté bandit touye Makenson qui c'est Maril, papa de petite li, koukoulia la nan morgue ap glacé qui tete ça pour le monde éternel. Réseau information, SOFIA TV 83. 54 policiers mourir pendant l'année 2021, d'après Réseau National, Cap Défendant Mounio, RNDDH. Entre-temps, 12 mars Cap Vinla, après le fait l'année, depuis opération ratée Village de Dieu, côté policier Ariel Poulard, Stanley Eugène, Georges Vivender Alexis, Whistler Desilus, Luc Dorpierre, t'es mouru assassiné. Dans l'occasion ça, une conférence débat dans mémoire. Policier Victimio a organisé en baptême la problématique de l'insécurité en Haïti, enjeu et perspective dans le local Charanama Club Rustela Delma 39 samedi cap 12 mars là sorti 2h dans l'après-midi pour bout 4h. C'est Fifi nous gagne avec nous en ligne là qui mettait courage li qui a mis de grands courage pour capable faire petit parler avec nous matin amis auditeurs. Donc Fifi qui j'en saillé l'on fin apprendre nouvelle l'anmo Makenson qui so apprendre qui suivi fête est-ce que cadavre là dans Mogonia? Oui, cadavre là dans Mog, oui. Donc, un cadavre sans tête. Un cadavre sans tête. Un corps sans tête. Oui, un corps sans tête. Bon, puis tu as tête là, juste enfin. Qui l'a joué, Fifi? Moi, j'ai 32 ans. 32 ans. Donc, c'est seul Timoun ça ou gagne ensemble avec Makenson? Premier petit nous? Oui, premier petit nous ensemble avec Makenson. Mais comment vivre drame ça la Kounia, alors fin apprend l'homme ça, un petit bébé nommé, et ou à peine fait césarienne, on joue césarienne. Eh bien, moi t'allais dans le commissariat agressé, juste nous yo dit me prend courage, Clarissien, inspecteur Magda, yo dit me prend courage, je contre les mouvements, me demande pour t'aller en mode là, yo dit non, me gagne d'être plus stomatement, juste me pas aller. Ouais, surtout là, c'est un cadavre qui vraiment choquant. Ou pas qu'à ouais cadavre là non plus. Je suis là pour aller et puis même côté là, je suis venu tomber tout. Magda voulait acheter ici au moins ensemble avec Amidon, je devais faire remettre dans le commissariat de Sierra. Ou bien proche avec ou dans circonstances douloureuses ça qui a en Kaila avec petit bébé ça et surtout fait césarienne. Oui, ma cousine, maman Makenson, qui est étudiante, qui est là ensemble avec moi juste, qui veut soutenir le bébé avant parce que le métier ne va pas faire de force, il va tout. Et c'est qu'il y a ma papanne que Makenson, c'est Timoun, la Coubonin, petite madame Axel, c'est ça, c'est confirmé. Oui. Que Makenson, c'est petite madame Axel, dans la Coubonin. Oui. Ah, voilà. Ok, chapeau bas, devant courage, puisqu'on a accepté pour te faire parler ensemble avec nous. On a demandé qu'un be contact ensemble avec nous, on contact en permanence, d'accord? Et Fifi, on a qu'un be contact avec vous. Bon message, on appelle, on appelle. Très bien. Juste bon, enfin. Pour nous, chaque chose pour nous aider, moi, ça m'a fait quoi? On est quoi après le boudin? Et puis après ça, je suis pour ma inspection générale. Tout ça, pour nous aider, moi, comme numéro de téléphone, maintenant, mais non. Et je suis content pour servir, soit fait à tout. En tout courage, Fofi, n'a pas tout support, nous, n'a pas tout accompagnement possible, d'accord? Ok, du courage. Ok, merci. Très bien, ok, merci, Bob. Merci. De toute façon, il y a un problème. Ah, c'est problème. Compliqué. Ah, quelle angoisse. C'est angoisse sous angoisse. 11 jours césarienne. Hein? La maman Marie sortie, la tanda est paix pour bébé, et puis, c'est une nouvelle consac pour venir. Marie mourit, tête coupée. Donc, Fifi, en pile courage, et nous-mêmes, nous faisons nous prenons et qui accompagnement. On est capable de faire. Il y a un dirigeant, RDNPA, Eric Jean-Baptiste, qui a visité Omega dans la commune Kafou hier dimanche, en façon pour tenter de remonter morale policier, tentative bandit pour prendre contrôle zone Mariani, Bordelot, visée fermée commune Kafou d'après Eric Jean-Baptiste, qui m'a dit la police là, pour plus vigilant pour empêcher bandit examen prendre contrôle l'espace. Ça, Jean-Georges Blaise. Tête coupée. Assassiné à balle. Voilà qui Jean-Policier Makenson Bontemps perdit la ville pendant finissement semaine sous frontière entre Kafou et Mariani y aurait les bords de l'eau. Victime en fait partie, l'autre corps qui tape bien ensemble pendant attaque, bandit exam qui a cherché ville planter piquette dans la communauté à Sinkwe, responsable commissariat Omega dans Kafou. Pierre Bellamy, samedi, fait connaître, c'est bien compté, mal calculé. Projet ça pas passé, déclaration commissaire Bellamy qui dit, il n'y a pas appliqué formule, zéro tolérance contre tout malfecté. Tolérance zéro, c'est nous pas jouer à bandit. Pas zéro tolérance, mais tolérance zéro. Donc nous pas jouer à bandit. Nous pas jouer à bandit. Donc c'est un concept qui était développé dans les années 2000. Donc, aux États-Unis, parce que gang devait prendre à New York. La théorie David disait c'est semi-bouteille, semi-malin. Elle dit que c'est pour nous étouffer, pousser dans l'œuf. C'est pour nous agir à temps. Donc, pour nous empêcher que les gens mettaient tentacules pour ces jalons dans la commune. Déclaration Sao, c'était pendant visite leader Rassemblement démocrate national progressiste RDNPA dans le commissariat Omega Kafou. D'après Eric Jean-Baptiste, ça rentre dans le cadre pour remonter moral policier dans le moment côté à tout faire examen à tenter une table base dans la communauté. Eric Jean-Baptiste. J'ai estimé qu'il était important pour que nous devions porter un support moral by la police là, comme citoyen qui est engagé dans la communauté pour nous dire à la police là, moi-même Eric Jean-Baptiste, nous ensemble avec eux. Nous avons profité de présence nous tous dans le commissariat pour nous visiter l'espace et toilette qui était gagné. Nous passé mais que Fondation Eric Jean-Baptiste fait dans l'espace sanitaire là pour nous regarder dans quel niveau que lié comment entretien et comment que yo Kimbeli c'est dans le cadre d'action citoyenne que nous-mêmes nous présents là pour nous devenir porter support moral by la police là en particulier commissariat Omega. Ça qui a passé Bordelot Marianian pata innocent signe quoi responsable RDNPA qui croit action bandit au visé fermé commune Kafou presque même gens à l'autre coin dans la zone métropolitaine qui en bas contrôle à tout fait. D'après lui, c'est la police qui doit frapper pilaté pour empêcher bandits prendre espace là. Bandits, même toujours chercher des espaces pour capable d'élargir le territoire. Et c'est l'État qui lui-même a une responsabilité pour lui mettre pied à terre. Cependant, nous ne pas penser que Bagaïza est innocent. C'est comme si Mdadola voulait tout faire Kafou. Parce que l'État semblait rentrer dans un cadre de stratégie de guérilla urbaine pour voulait faire un Kafou comme ça. Pas oublier que la zone Marianne qui est l'abattoir, c'est lui-même qui est censé le représenter aujourd'hui à pour le département de l'Ouest, ça quoi beau sale. Donc, c'est une zone stratégique, hautement stratégique liée en matière de circulation de biens et de marchandises. Donc, la police là a mis pied à la tête pour que bandits ne prennent pas terrain dans la mer. Et jusqu'à présent, le climat était encore fragile dans la zone Mariani-Bordelot. Côté circulation machine, pas de facile du tout, même pour piétons qui étaient une grosse difficulté pour jamber l'espace là. Qui donc, entre Bordelot, Mariani à Kafou, sans les tourner, yon l'autre var. Même Jean et Matissan qui perdit contrôle, force l'audio depuis 9 mois. Sans connaître qui ça cap fait pour reprendre contrôle. Situation. Jean-Georges Blaise, Caraïbe FM. C'est un pile Jean-Georges Blaise, nous apprenons, on a parlé là, il y a un pile tiré dans la zone Kafou-Feuille.